Mathéo, c'est le cinquième de nos enfants. Il a 13 ans. Quand on voit Mathéo, physiquement, c'est pas flagrant le handicap, mais dès qu'on a quelques secondes, on voit qu'il réagit comme un enfant de 2 ou 3 ans, avec la parole en moins. On a constaté d'abord qu'il était malentendant et malvoyant. C'était les premiers signes. Ensuite, l'épilepsie, le retard mental, qui était assez conséquent. Le problème d'hypotonie, le manque de force dans certains endroits du corps, son hyperactivité, ses problèmes de sommeil, tout s'accumulait. Il a marché très très tard, il s'est assis seul très tard. C'est faire le deuil de tout ce qu'on a envie pour son enfant, c'est de se rendre compte petit à petit de toutes les difficultés que ça engendre. Du lever au coucher, tout est modifié. Comme un bébé, mais un bébé sur une vie complète, un bébé qui ne grandit jamais. C'est chaud. On doit se mettre en place.